Donc on n'est pas loin de 280, très content du score. Donc le film que vous allez voir, il a été entièrement réalisé sur le canton par des élèves, tous bénévoles et un peu des parents aussi, des adultes. Soyez humbles s'il vous plaît, hein, personne n'est professionnel, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve tout à l'heure. Les applaudissez pas de suite, on va les applaudir, ils sont tous descendus. Hein. Les techniciens aussi. Vous allez avoir mal aux mains. Le technicien, une personne. Bah, il y a Alexis. Alexis. Alexis, ouais. Alexis, il est où Alexis? Alexis? Ah, Alexis, ah, il est là, allez bien. Je suis désolé, Chris, j'ai pas fait ton badge parce que je savais pas que t'étais là. Donc, je te prie de m'excuser. Je vais chercher le lieutenant. Ah, je vais chercher le lieutenant, ouais. Ah, Odile, la voisine, oh là là. Notre voisine, on attend la gendarmerie. Hein. Je vais remercier aussi, il est arrivé après, je sais pas où il s'est caché, Pierre, il est où? Lève la main, Pierre, ah il est là, coucou, merci aussi pour ton aide, hein. quoi qu'on en dise, hein. Merci, c'est gentil. Voilà, vous pouvez les applaudir sur tout ça, s'il vous plaît. Je dirais waouh, c'était une sacrée aventure et puis j'ai rencontré des personnes vraiment géniales. Entre tous les collégiens qui sont été très investis, persévérants, vraiment ils sont épatants. Et franchement, je vais pas tous les citer parce que j'ai en oublié, mais je pense aussi au Michel. Tous les Michel. Il n'y a pas de Michel? Non, ils sont à Avignon. Ok. Bon, bah tant pis. Voilà, ils font vraiment honneur à leur génération. Bravo à eux. Et puis, puis spécialement Théo. J'ai fait une super rencontre. Je l'adore. Et aussi pour ma fille. Ma fille. Voilà. Et merci d'être venu en tout cas. Alors c'est vrai que je sais pas trop quoi dire à part merci. Enfin, c'est vrai que c'est un projet de plus de 3 ans. Enfin, j'ai commencé, j'étais en 5e, maintenant j'ai rentré en 2e. Et c'est vrai que ça a vraiment été une expérience
que j'ai vraiment eu la chance de vivre. Et ça me permet vraiment de savoir un peu ce que je veux faire plus tard et des rencontres aussi. C'est vrai qu'avant, j'étais extrêmement timide. Bon, je suis toujours, hein. Mais beaucoup moins, j'arrive beaucoup plus à m'ouvrir aux autres. Et bah, sans ce film, honnêtement, je sais pas quelle relation aux autres j'aurais eu. Donc bah, merci à tout le monde, à l'équipe du film, aux acteurs et à vous qui êtes là. C'est vraiment une joie immense. Donc merci beaucoup. Moi, je vais juste dire merci à tout le monde parce que c'était super beau ce qu'on a vécu tout au long de ces années. Oui, merci de m'avoir accueilli aussi dans le film. Merci à vous d'être venu le voir, hein, la famille, le public, les amis. Je vois qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Les gens qu'on connaît, pour ceux qui ont écouté, hein, vous comprendrez ce que je dis. Et surtout, je trouve ça très sympa. Je pense que c'est un témoignage aussi, vous voyez, c'est un témoignage qui va rester et qu'on va pouvoir revoir dans 25 ans en se disant « Oh, regarde, il était jeune !» etc. Hein, bah, c'est quelque chose qui reste quand même. Et ben, moi, je voudrais surtout donner un très très grand merci à l'équipe Marie Vallée, parce que bravo, 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 c'est un sacré challenge, un challenge bénévole. Et un grand bravo à tous et merci d'être venus. Moi, je suis pas allée au collège Marie-Bourgon. Mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont allées et bon, ça m'a donné plusieurs rencontres géniales et une expérience que j'aurais pas eu, que j'aurais pas eu si j'ai pas fait du tout. Donc merci de m'avoir pris pour faire Céleste. Et bon, merci d'être venu pour me voir. Ben, je suis aussi ému que toi. Je pense que j'ai bien bafoué comme il faut. Ça me fait vraiment, vraiment drôle, vraiment bizarre de revenir dans cette même endroit où il y a eu le casting. Première expérience dans le cinéma. Ben voilà, enfin, j'en retire à quel point c'est un boulot énorme. Ça demande de l'investissement, ça demande, oui, une bonne dose d'acharnement. Vous l'avez dit, j'ai bafouillé. Et même après 20 ans, 25 ans de théâtre, voilà, rien n'est acquis. C'est franchement pas évident d'imiter la réalité. Que ce soit au théâtre ou au cinéma, ben, ça demande du boulot, quoi. Être entouré et puis toujours remettre le travail sur l'établi. Donc s'il y a des jeunes dans la salle, et même des moins jeunes dans la salle qui veulent se lancer dans le cinéma, commencez par la figuration, enfin, allez-y, vraiment, c'est une expérience qui est très riche, surtout en rencontre au niveau humain. C'est pas pour faire de l'art, c'est pas pour se la péter, c'est pas pour faire des étoiles, machin, c'est les rencontres humaines, c'est surtout ça. Donc, vraiment, lancez-vous, n'hésitez pas, souvenez-vous de ça. Merci d'être venu pour regarder ce film. Je remercie aussi les acteurs qui ont fait le film. Je vous remercie d'avoir regardé tout. Je vous remercie. Merci à tous les spectateurs d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ça fait plaisir de voir une salle comble comme ça pour le film. Vraiment, c'est très plaisir. Merci à l'équipe du film de nous avoir fait confiance. On est des amateurs, très clairement. On n'a jamais fait de cinéma. Merci de nous avoir fait confiance. C'est, comme ça a été dit, une très très belle expérience humaine. Un grand moment. C'est un bon moment. On a fait de très belles rencontres. Et puis c'était très intéressant de voir effectivement l'envers du décor du monde du cinéma parce qu'on ne connaît pas. J'ai fait un petit peu de théâtre, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas toute l'énergie, tout le travail, tout le matériel qu'il faut pour en arriver là. Et le résultat en tout cas était magnifique. Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le résultat était top. Bravo. Merci. Bravo. C'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de monde dans un cinéma, c'est très très bien. Merci Marie, merci Théo, merci à toute l'équipe. Effectivement, comme tu disais, c'est des belles rencontres. Et voilà, je pense que c'est bien de passer derrière tout le monde parce qu'on n'a plus rien à dire en fait. Ça, c'est pas mal. Merci à vous. Hein. Merci à vous tous.
Donc en fait, pour moi, c'est un réel plaisir de venir ici, dans cette région, parce que je viens du département voisin. Je suis Antibois, et de voir un paysage si proche et si différent. Donc pour moi, c'était vraiment un grand bouffée d'oxygène de venir sur ce tournage. Donc je pense que vous connaissez, là j'ai pas la casquette, mais je pense que vous devez reconnaître mon visage. Et donc j'ai une anecdote, en fait, Apache, lors du tournage, a vraiment disparu. Pour donner de la foi. Je me souviens, une certaine Pascal, et puis... Pascal, qui est allez, tu viens, pas bien du tout, du tout, du tout. Bien, Pascal, et bien. Avec son numéro suisse, ses rappels, réseau, pas de réseau, c'était la panique totale. Finalement, après environ 2 heures de recherche, on a retrouvé Apache, donc chez un propriétaire de centre équestre, à proximité de la forêt où on a fait les passages du tournage que vous avez vu à l'écran, en fait. Voilà, je voulais citer cette anecdote qui vous a bien tous fait flipper, bien bien. Ben, bonsoir à tous. Écoutez, ben, j'étais mise dans cette aventure un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et ben, j'étais vraiment très 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 fière de travailler avec ces jeunes et de voir vraiment leur investissement. Et merci à tous d'être venus ce soir. Je viens d'Italie, donc quelle chance d'être ici, être figurant dans cette film et que j'ai découvert par hasard au collège, donc comme quoi, aller au collège des fois, c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc merci à tout le monde d'avoir partagé ce moment ensemble, merci à vous d'être ici. Moi je tenais juste à dire que les élèves, je les ai vus tout petits, vraiment je les ai vus en 5e, comme ça, tu n'avais pas encore les 20 cm que tu as pris après. Et je trouve ça super de les avoir vus grandir comme ça sur un film et un projet aussi grand. Et j'ai été ravie de les voir les dimanches matins à 8h dans mon salon. Je trouvais ça très sympa, en pyjama, hein, on n'avait plus de filtre à la fin. Mais voilà, je dis que... Le dire que tu t'étais couché à 6h. Oui, bon, je faisais la fête la veille aussi. J'étais fatiguée. Mais non, mais c'était super et franchement, même les scènes au centre équestre, tout ça, j'ai trouvé sympa qu'un centre équestre puisse nous prêter un endroit pour. Comment ? Vas-y, vas-y. Un endroit pour pouvoir tourner avec des chevaux et ça a été super de pouvoir mettre mon petit poney dedans. Hein. Il était à l'écran, c'est une star. Voilà, bon, ben merci à tout le monde d'être venu. Hein. Je vais juste dire un mot sur ce que je te coupe 2 minutes, hein, sur ce que Alexane a dit. J'ai oublié de remercier Morgane Bellotti, elle n'est pas venue ce soir, mais c'est la propriétaire du centre équestre. Vous pouvez l'applaudir parce qu'on a été chez elle à 23h. Hein. Ah, merci, tu peux y aller. Donc ben, bravo à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup pour votre investissement, pour votre patience. Théo et Marie, c'était super, moi je suis contente vraiment de l'avoir fait. Et puis merci au public pour ceux qui se sont déplacés pour venir voir le film. Bonsoir, ben, moi c'est la voisine. Alors c'était un petit rôle, mais c'était beaucoup d'émotions. Alors je voulais remercier toute l'équipe bien sûr, et surtout je voulais remercier Marie pour ses... d'incroyable dévouement auprès des enfants. Je pense que pour eux, c'est une super aventure et c'est grâce à elle que ça s'est passé. Je veux remercier aussi absolument Théo, cet adorable Théo. Quand on est devant la caméra, c'est quand même un truc qu'on n'a pas trop l'habitude, hein, et bien, en fait, quand il y a Théo derrière la caméra, ben on se sent hyper bien. Voilà. Merci pour cette expérience, merci à tous et merci à vous de nous avoir regardés. En fait, pendant le film, j'ai beaucoup fait clap et je m'amusais à faire des dessins dessus. Alors de qualité, on ne va pas en parler, mais des dessins. Et des fois, en fait, on voyait quasiment plus ce qui était écrit, mais on m'a laissé. Donc, merci beaucoup de m'avoir laissé décorer le clap. Ouais, ça on va pas dire.
Et voilà, merci. Et ce soir, j'ai créé le Théo. Je te remercie. Donc France, qui est la présidente de l'AMPT, donc merci aussi pour son soutien. C'est pour vous deux. Moi, je voudrais remercier Théo pour tout ce qu'il fait d'une façon tellement adorable pour la Maison pour tous. Il a toujours donné un coup de main. L'été, par exemple, pour le cinéma de plein air, ici, quand on a besoin de lui, est toujours avec le sourire, toujours avec tellement de gentillesse, de spontanéité et de professionnalisme. Et je pense que tu seras un très grand régisseur. Merci France. Alors j'en ai un dernier, elle ne le sait pas, c'est pour ma mère. Voilà. Hein? Alors, merci beaucoup Françoise, parce que je ne savais pas que tu allais faire ça. C'est mérité. Ah, ouais. Moi non plus, je ne savais pas. Ah d'accord. Alors, on me demande de lire ce qu'il y a écrit dessus. Hein? Donc, 12-10-2024, je crois que c'est aujourd'hui. Hein? L'échappée, le titre du film, Théo Cassarcer, il me semble que c'est moi, et réalisation et montage. Voilà, c'est sympa, merci beaucoup.